Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 154 de ce dernier qui est: quelles sont les caractéristiques du peuple de Dieu? Bien voici la réponse. Ce peuple, dont on devient membre par la foi au Christ et par le baptême, a pour origine Dieu le Père, pour chef Jésus-Christ et pour condition la dignité et la liberté des fils de Dieu, pour loi, le commandement nouveau de l'amour, pour mission, d'être le sel de la terre et la lumière du monde, et pour fin, le royaume de Dieu déjà commencé sur terre. Alors pour étayer cette réponse, prenons le paragraphe 782 du catéchisme de l'Église qui nous dit ceci. Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Il est le peuple de Dieu, premièrement. Donc Dieu n'appartient en propre à aucun peuple, mais il s'est acquis un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. On devient membre de ce peuple, non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Ce peuple a pour chef, donc tête, Jésus le Christ, ou un Messie, parce que la même onction, l'Esprit Saint, découle de la tête dans le corps. Il est le peuple messianique. La condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu, dans leur cœur, comme dans un temple, réside l'Esprit Saint. Sa loi, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle de l'Esprit Saint. Voir notamment Romains 8:2, Galates 5:25. Sa mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité, d'espérance et de salut. Sa destinée, enfin, c'est le royaume de Dieu, commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus, jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même.